Situé à 60 km d'Hanoï, Vinson compte près de 1300 familles. C'est un village unique au monde. La cour de la plupart des maisons abrite des centaines de serpents. Kim Van Hock a 75 ans. Tous les jours, il s'occupe de ses pensionnaires. 200 serpents de différentes espèces. À 17 ans, j'ai commencé à accompagner les adultes pour capturer des serpents dans la nature. En 1979, j'ai décidé d'en faire l'élevage chez moi. J'ai été le premier à le faire. Plus tard, j'ai proposé à tous les villageois de faire comme moi. Ce serpent est vraiment fainéant. Il est trop gros. Hock possède une centaine de cobras à lunettes et de cobras à monocle. Le venin de ces espèces est mortel pour l'homme. Il contient une neurotoxine qui bloque le système respiratoire et les battements du cœur. La mort survient en l'espace de quelques heures. Hock nettoie les cages plusieurs fois par semaine. Il vérifie aussi régulièrement si les serpents ne sont pas malades, notamment s'ils n'ont pas de problèmes de peau, lesquels peuvent empêcher la mue. Hock élève aussi une centaine de Ptias mucosus, une espèce de couleuvre asiatique. Avant d'ouvrir les cages, Hock met des lunettes de protection. Les couleuvres ne sont pas venimeuses, mais elles sont plus vives et plus agressives que les cobras. Elles visent de préférence les yeux de leurs victimes. Ces cobras et ces couleuvres sont des espèces protégées. Au Vietnam, le commerce de ces serpents n'est pas interdit, mais il est réglementé. On élève moins de couleuvres que de cobras. Sur les 80 tonnes de serpents que notre village vend chaque année, il n'y a qu'une ou deux tonnes de couleuvres. Le reste, ce sont des cobras. C'est bien plus facile d'élever des cobras que des couleuvres. Ces dernières se reproduisent moins bien en captivité. C'est pour ça que la plupart des villageois élèvent des cobras. Ils sont venimeux, mais ils sont plus simples à élever. Depuis 10 ans, Hock est le président de l'association des éleveurs de serpents du village. Mais il trouve que le temps est venu de passer la main. Je voudrais démissionner. Je cherche quelqu'un pour me remplacer. Je suis vieux. Tout le village élève des serpents, mais il n'y a pas une seule personne de plus de 70 ans qui le fasse encore. J'ai beau avoir 75 ans, j'élève encore des serpents. En tant que président, je suis obligé de continuer, sinon je ne ferai plus autorité. Le président doit être aussi éleveur. Je suis encore en poste, mais je suis bien décidé à démissionner.